Ok, bon, ben parfait. J'arrive à l'école, là, je vais rejoindre les filles. Je te laisse. On match tout à l'heure. Gros bisous. Yes, à tout. Ça va, les filles? Ça va et vous? Ouais. C'était pas trop long, la route, pour non, écoute, ça va. Je vais pas de Les filles, j'ai découvert un nouvel endroit. C'est la petite mutinerie. Faut vraiment que je vous amène, vous allez adorer. C'est à Boulogne, non? Ouais. Ça me fait penser, je vous ai pas montré la dernière vidéo, Nico, regardez. Ah, c'est plutôt cool, hein. Mais t'es vraiment sûre que c'est une impro? Je pense, ouais. Bon, les filles, il est déjà 11h40. Ça vous dit pas d'aller chercher une box au lab? Ça va être blindé après. Je sais pas, j'ai pas encore vu les sauces sur la page Facebook. Je crois que Fanny, elle a encore oublié de les poster. Du coup, on voit en bas si ça me tente. Hello les filles, comment ça va aujourd'hui? Salut Sylvain, super bien et toi? Bah écoute, au top. Bon alors, qu'est-ce que je vous sers comme taille de box? 3 bigs pour nous, please. 3 bigs et pour la sauce? Sauce bolognaise mais avec du fromage, s'il te plaît. Allez les gars, ça part! Voilà Pauline. Merci. Waouh, se sont surpassés aujourd'hui. Je trouve qu'en ce moment il y a du relâchement. Leurs sauces elles sont pas tip top. Genre je sais pas, il y a un truc qui changera jamais de toute façon, c'est qu'à force de vouloir vendre des pâtes, ils négligent de ouf la préparation. En fait, on a un menu en deux temps. Sous la couche de fromage, on a une poignée de pâtes mais sans sauce. Et au fond, on a une sauce trop bonne mais sans pâtes. Ouais mais les filles, c'est quoi le mieux? Vous la collez au champagne ou au petit chablis? Ils ont mis du champagne dans la sauce? Mais non. Mais il va falloir en vendre pas mal des boîtes de pâtes si on veut une belle gradue. Et j'ai vu les pronostics de Binic, et pour l'instant, ils sont pas fous. Donc si on vous sert du petit chablis ou toute autre chose que du champagne pendant l'apéritif, bah, vous saurez pourquoi. En tout cas, champagne ou pas, je me sens pas top. Les filles, je comprends pas. J'étais avec les garçons, ils mangeaient leurs pâtes. Moi, j'avais mon meilleur tacos, triple viande XXL, sésame, extra fromage, double portion de frites. Mais bon, et d'un coup, ils se sont sentis, mais genre, pas bien. Alors, je sais pas, franchement, je panique, genre, est-ce que j'appelle l'infirmerie? Bon, les gars, qu'est-ce qu'on a mis dans cette sauce-là? J'étais en cours avec Rochel, tout le monde est malade, tout le monde est en train de geeker, même les plus sérieux. Ah, oh, mais ils m'ont pas attendu, les bâtards. Ben non, mais le pire, c'est que Groschel, il joue aussi, il diffuse son jeu sur le vidéoprojecteur, il donne des conseils tactiques et tout. C'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on va apprendre à motiver nos employés. Non, mais du coup, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas que notre classe qui était concernée. Du coup, je suis allé voir les premières années en F122. Et là, je vois Bob, les pieds sur le bureau, en train de fumer des ouinges avec un billet de 100 $. What? Les gars, je vais recevoir un texto de Patty. On est dans la merde. Faut y aller. L'heure est grave. ESSEC is under attack. Quelqu'un va empêcher les étudiants de l'IMI d'avoir leur diplôme cette année. Nous devons agir très très vite. Kelly, faisons-nous un point sur la situation. Ok, Patty. De ce que je sais, il y a quelques élèves qui ont été contaminés ainsi que le professeur Groschel. Et d'après mes estimations, dans 5 heures, toute l'école sera contaminée.
Binic. Wow, j'y suis pour rien. Non mais personne ne t'accuse directement, Binic. Mais le fait est qu'il y a bien un virus qui a débarqué à l'ESSEC et qu'apparemment, il vient du lab. Bon, les gars, calmez-vous. Il faut qu'on reste soudés. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce virus? Pour l'instant, il n'a pas de nom. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un véritable méchant a créé ce virus et qu'il rend les étudiants extrêmement fainéants. On serait tous incapables de travailler. Si ça continue comme ça, toute la promotion 2020 sera obligée de retourner à Sergi pendant un an. Hé, les gars! Attendez-nous! C'est pas parce qu'il y a la distanciation sociale qu'on peut pas vous aider à sauver Limi. Mais sinon, peut-être que mon chat peut nous aider, non? Et nous? On a peut-être des infos. Allez, quoi? Pas content! Guys! We must remain strong et se serrer le coudre. Je ne vois qu'une solution. Faire appel à Limi Impossible. No way, ça existe vraiment ça? Je pensais que c'était un mythe. Oh yeah, elle existe. Et c'est notre dernier espoir. But firstly, we need to find someone who can truly identify the recipe without even tasting it. Then, we need someone who knows the ground by heart. A true Parisian with every connection in town. You know him under the code name N'Golo N'Golo Gautier. Ouais, j'ai réussi à faire bouger le deal de 200 bips. Ça sent très très bon pour la boîte. Bon allez, je te laisse. Gautier speaking. Oui, maman, j'arrive tout de suite, je me suis dépêché, désolé. Mais comment ils vont faire pour se déplacer? Wait, I've got the right guy for you. He did the 4L trophy this year. He knows how to handle every situation with a car. Merde! Money. Mr. Jacquet, he's our guy. It's a gas. Grab that cash. And finally, we need someone who could fight. Someone who can unite them all. Divalet! Patty, c'est Divet. C'est Henri Divet. Divet! Ok, on sera là. Guys, we've got our team. Bon, on se fait là. C'est encore pour nous le sale boulot. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Votre mission, si vous l'acceptez, trouver l'antidote du virus qui affecte tous les étudiants de l'IMI. We have united the four of you, the cream of IMI. Le sort de votre promo dépend de vous. If you are caught, we will deny your existence. Good luck.
Bon les gars, on a quand même le temps de s'envoyer une petite, non? T'es où en bas? Je le préviens pour qu'il le rattrape. Allez, on y va. Go! Je suis là dans 30 secondes. Gauche, droite. À droite. Oh. Suis-moi, j'ai besoin de toi. Vite, j'ai ma voiture qui est à l'arrière. Jolie voiture. C'est dommage qu'elle soit si sale. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? Bah reste tranquille, monsieur propre, ok? Wow. Mais c'est quoi Staco là? Quoi? Staco? Ouais, Staco, ouais. Staco, comme tu dis, mon gars, il a traversé le désert marocain, ok? Okay, alors tu te calmes et tu lui montres un peu de respect. Sinon, t'as une meilleure solution pour le poursuivre. Monsieur, je sais tout. Ouais, tu te calmes. Merci. Pour des raisons budgétaires et de préservation des acteurs, nous n'avons pas pu tourner cette scène de cascade. Toutefois, sachez que c'était incroyablement épique. À la place, nous vous montrerons un documentaire sur la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Ok Ben, il y a quoi dans cette clé USB? Baston 9 de Game of Thrones. Mais non, moi je croyais que c'était fini moi. Sérieusement. Donne-moi cette clé USB Ben. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Merde. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux laquelle en premier? Tu crois vraiment qu'on a le temps pour ça? La mauvaise, c'est que la clé USB est cryptée. Mais la bonne, c'est que je sais comment l'ouvrir. Par contre, il va nous falloir un expert. Merde. Tu penses à qui, Béguin? À l'Irlandais. Choper le gros lot. Et voilà. Merci. Je te laisse t'occuper du nouveau. Mets-le en confinement dans un petit local, ça lui rappellera des bons souvenirs. Moi, je vais voir avec l'expert ce qu'on peut faire. Il nous faut la recette de ce virus, on n'a pas de temps à perdre. J'ai maintenant accès à la recette du virus qui a contaminé tous les secs. Bon, c'était assez simple finalement. Hein. Tu vois, c'est un peu comme un escape game. Il suffit de rassembler les... Ok, c'est hyper cool et merci beaucoup. Mais nous, on doit encore trouver l'antidote. Ils vont pas s'en sortir comme ça. Ouais, t'as raison. Allez, bon courage. On compte sur toi et sur toute l'équipe Emmy Impossible. Ok les gars, Loïs a réussi à décrypter la clé USB. On sait qui est à l'origine du virus. On sait aussi qu'ils ont un antidote. Apparemment, l'un d'eux voulait continuer à manger des pâtes au lab ou boire du vin à petit prix. Bref,
Il nous reste une dernière chose à faire. Infiltrer leur laboratoire secret et obtenir l'antidote. Mais leur laboratoire est super protégé. C'est quasiment impossible d'y entrer. Encore moins d'en sortir. J'ai une idée. C'est risqué, mais je crois que ça peut marcher. On bourrine. On fonce dans le tas. On le fait péter, ce labo. Pas vraiment. Le gars qu'on a chopé ce matin m'a avoué qu'il devait se rendre dans leur labo pour récupérer un antidote pour lui. Pour passer à la sécurité, je ne vois qu'une seule solution. On va utiliser son apparence. C'est dans la poche. Fais pas le malin. Tu seras tout seul là-dedans. Et tout l'avenir de Limi repose sur toi. D'ailleurs, plus j'y pense, plus je me dis que c'est une mauvaise idée. Non, fais pas. C'est vraiment cool, hein. Ça me passera toujours, ce truc-là. Ouais, enfin, c'est que de la tech, hein. C'est terminé. Oh, ça chlingue là-dedans. Flo, tu m'as promis de changer de fournisseur de silicone. Ah, t'as pas fini de râler? Bon, Gauthier vient de finir paramétrer le transformateur de voix. Vas-y, dis un truc. Imitrateur. C'est reconnu. Parfait, Henri, à toi de jouer. Ton oreillette est branchée, on sera dans ta tête tout le long de l'émission. Ok, on y va. Joue les gars, ça boum. Vous avancez s'il vous plaît. Stop. On tend les bras. On se retourne. C'est bon, Wilson, tu peux prévenir les autres. Super ambiance ici, les gars. Ok, les gars, je suis dans la porte. C'est mon vérité. Ok, Henri, souris, t'es filmé. Pas drôle. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Henri, ce sont des membres de la crypte. Fais attention, ils sont très dangereux et peuvent te manipuler très facilement pour t'attirer dans leurs pratiques douteuses. Je suis venu prendre un flacon, l'antidote. On est au courant. Elles t'attendent dans la crypte. Entre, Benjamin. Nous t'attendions. Nous avons appris ce qui s'est passé sur le toit de l'ESSEC. L'équipe IMI impossible à récupérer des informations qui pourraient tout compromettre. Ça fait un an qu'on bosse sur ce projet. La formule que nous avons mise au point pour rendre les étudiants de l'ESSEC tous fainéants fonctionne à merveille. Nous touchons au but. Si tout se déroule comme prévu, les étudiants n'obtiendront pas leur diplôme et nous pourrons en rester une année de plus ici. Notre plan pour continuer à profiter du Château Margaux et du Romane Conti au rabais est en passe de se réaliser. Santé. Santé. Ça va, Henri? Pas trop dur, la mission. Merci. Benjamin, comme promis, nous t'avons préparé un antidote. Ok, merci. C'est le seul? Tout à fait. Super. Je vais te faire la culotte. Bon, je pense que on va être bon pour un petit coup de froid. Hello Fanny, décidément tu ne lâcheras pas avec ces meetings. J'avoue, qu'est-ce qui t'amène encore cette fois, Fanny? Ouais les gars, salut, je suis vraiment désolée. Une dernière fois je vous embête pour l'année. Vous avez entendu parler du virus du lab? Eh ben la team, il m'est impossible à craquer le code. Et elle a trouvé un antidote. Ah bah enfin, c'est cool. Ouais, mais du coup, comme je disais, j'ai vraiment besoin de vous là, one last time. Antoine, j'ai besoin que tu travailles tes contacts, comme tu sais bien faire. J'ai besoin de 57 doses pour ce soir. Ça marche, j'active ça. Ok. Et Matt, de ton côté, j'ai besoin de toi pour la logistique. Le RT, je sais que c'est une team secure, on peut leur taper dedans. 18h le BAO, c'est bon pour toi? Ouais, je vais voir avec Elia, mais je pense que c'est bon. Ok, super, merci.